la finale du tournoi novice. Très hâte de voir ça plus tôt dans la soirée. Si vous les avez loupés, les combats, ils sont évidemment sur Internet. Allez les voir. Les deux demi-finales ont été gagnées respectivement par Vincent Gossens et puis par Humberto Diaz Passo, surnommé Young Lions. Les deux Red Kings qui devront s'affronter ont certainement fait plusieurs séances de sparring ensemble cette fois-ci. Ce sera pour du vrai, ce sera pour une finale, ce sera pour un trophée. Le trophée, le tout premier à donner ce soir au 360 MMA Fight Night Genesis, Chris. Oui, tout à fait. Un combat entre deux bots, en fait. C'est encore une fois un beau display d'ouverture d'esprit. Ils ont tous les deux gagné leur demi-finale à la décision. Tous les deux, en fait ce sont deux strikers qui ont tous les deux gagné leur demi-finale grâce à leur grappling, ouais. Ce qui peut être intéressant à relever avant cette finale. Est-ce que l'un des deux va vouloir grappler avec l'autre ou ils vont rester dans leur zone de confort de base qui est le striking? Nous n'allons pas tarder à le savoir alors que Humberto va faire son entrée pour arriver dans le coin rouge. C'est toujours particulier aussi, deux personnes qui se connaissent, qui sont habituées de se battre ensemble, parce que tu sais qu'ils connaissent les forces de l'autre respectivement. Sans vouloir faire un parallèle peut-être un peu facile, on avait déjà parlé quand Robbie Lawler avait combattu Tyron Woodley, on disait on n'a pas vu le même Robbie Lawler que d'habitude. On s'entendait parler, Chris, et tu m'avais dit oui, mais Robbie Lawler connaît la puissance de frappe de Tyron Woodley. Si ça se trouve, il la craignait avant même que Woodley arrive. Est-ce qu'il a pu avoir une influence sur le mental? Tout à fait, c'est le genre de choses qui peut jouer. Après, entre des partenaires d'entraînement, on a déjà vu des combats extraordinaires. Je pense notamment à Donald Cerrone contre Melvin Dia, ou même à plus récemment Travis Brand contre André Arlovski. Ça a donné des combats extraordinaires alors qu'il s'agissait de deux amis. Je pense aussi à Machida contre Marc Munoz. Hein, il a mis complètement KO et ils sont allés manger au restaurant juste après. Il y en a un qui a pris un steak, l'autre qui a pris un jus de fruits. Et des aspirines. Humberto Diaz Passo, Young Lion, qui a l'air d'être en pleine forme, très détendu. Aucun des deux combattants n'a vraiment de séquelles du premier combat aussi. C'était un round de 4 minutes pour la demi-finale. Cette fois-ci, ce sera deux rounds de 3 minutes. On essaie de ne pas les faire combattre plus de 10 minutes forcément dans la même soirée. Sauf en cas d'égalité. Si c'est égalité après deux rounds, il y aura un troisième round de 3 minutes pour évidemment définir un vainqueur, parce qu'il faut que quelqu'un reparte avec le trophée. Mesdames, messieurs, nous allons pouvoir offrir notre premier trophée de la soirée. Le trophée Kyrus offert au gagnant du tournoi Novice Shelley Lightweight. Deux combattants, vous avez vu depuis le début de la soirée, qui reviennent en finale. Deux rondes, 3 minutes. En cas d'égalité, un autre round sera combattu. On l'a entendu en premier dans le coin bleu, représentant Red Kings, Vincent Gossens. Face à lui dans le coin rouge, représentant aussi Red Kings, Humberto Young Espasos. Les deux athlètes relaxent hein, à l'approche de leur finale ensemble et un petit câlin fraternel. Forcément, une lutte entre coéquipiers. Premier round, l'arbitre vérifie. Est-ce que tout le monde est prêt? Le trophée est prêt? Les juges sont prêts? Les combattants sont prêts? Premier round, c'est parti! C'est parti, et qui repartira avec le trophée offert par Kyrus Management? On va pas tarder à le savoir, ou alors on le saura en tout cas dans moins de 12 minutes. Alors que Humberto commence avec un overhand qui a failli toucher et qui aurait pu faire très très mal. C'est un combat actif, hein? Oui, on voit quand même déjà un peu de volume, beaucoup de déplacements. Humberto extrêmement mobile, très impressionnant comme combattant. On sait qu'il a une musculature très très puissante. Peut-être peut fatiguer un petit peu plus vite, mais pour l'instant, on voit beaucoup de puissance. Et les coups, oh les coups portés, un uppercut qui semblait quand même toucher. Et des échanges de low kick aussi, ils ont tous les deux des puissants low kick. Ils en sont portés 2-3 mutuellement. Alors que nous sommes au clinch avec quelques échanges de coups de genoux. Ça y va entre les deux amis. On lutte toujours pour avoir une position avantageuse. Beau genou par Vincent Gossens. Et Humberto amène au sol. Quel slam à la Rampage. Ça ressemble à un slam comme Rampage Jackson contre Ryan Bader. C'était impressionnant. L'arbitre qui s'est interposé le temps pour Gossens relever. Et un coup qui porte encore une fois. J'ai l'impression qu'Humberto a le momentum, a le vent dans les voiles. Vince Gossens recule un peu. Humberto passe et... Et Vince revient avec un 1-2. C'est un combat très intéressant. Ça n'arrête pas. Ça vient à peine de commencer. 1 minute et 10 secondes découlées dans ce premier round. On dirait que ça fait plus tellement c'est actif. Ouais. Alors que Humberto met la pression. Avance. Ouh, gros crochet et ça fait mal. Superman Punch. Super Saiyan.
merci, bonsoir, bonne nuit. Oh là là, c'est... Ouais. Ouh, le premier coup qui a touché, Chris, et j'ai hâte de voir le replay. Le premier coup semblait avoir touché. Vince Gossens qui semble reculer. Ouais. Et je pense qu'il a mal à l'œil, si je me trompe pas. Le médecin va examiner ça tout de suite. Alors qu'on voit quand même beaucoup de respect entre les deux athlètes. Nos amis, forcément. Donc au niveau de l'œil droit, Vince Gossens semble avoir un petit peu de mal à l'ouvrir. Umberto, forcément. Très heureux d'avoir gagné ce trophée Kairos Management. Les émotions toujours un petit peu mixtes forcément, donc très content de gagner. Beaucoup de respect pour son avis, vérifier son état de santé. Hâte de voir le replay parce que le premier coup semble avoir déjà fait mal. Je pense que c'est celui-là qui fait plus mal que le Superman Punch parce qu'il me semble que Vince se protégeait très très bien au moment du Superman Punch. Donc à mon avis, le crochet a dû faire très mal au niveau de l'arcade ou de l'œillet. On le verra peut-être sur un replay. Et puis l'arbitre qui quand même directement, je crois, était tout belle réactivité de Jean-Philippe Carboni. Qui vérifie, laisse passer le Superman Punch et après, clairement, Vince Gossens plus en position de se défendre. Donc on arrête le combat. La finale du tournoi novice vient d'être jouée devant vous et le gagnant du trophée offert par Kairos, vous l'avez vu au tout premier round, un TKO!